partie sur, sur un travail avec une seule personne pour la simple raison qu'on a constaté que le cheval est beaucoup plus serein quand il n'y a qu'une seule personne, parce qu'il se concentre que sur cette personne-là. Et on a en fait une évolution beaucoup plus rapide de la part du poulain. On est vraiment dans l'acceptation des choses. La personne qui fait ça, ben, elle a vraiment une approche très douce, très patiente. Elle donne sa confiance, elle le reçoit du cheval. Et une fois que la confiance elle est établie, après, voilà, ça devient quasiment une formalité. Commencer dans le box, manipuler, toucher, accepter qu'on les touche partout. Et ils ont déjà souvent, dès le premier jour, déjà le tapis, qu'ils vont faire connaissance avec le tapis sur le dos, même pour des chevaux qui, voilà, qui ne montrent aucun signe de panique ou quoi que ce soit, ils vont déjà se retrouver avec la selle sans pour autant sangler. On met, on enlève pour vraiment montrer que c'est aucun danger, qu'il ne faut pas paniquer. Donc après, voilà, tout dépend du caractère du cheval. Il y en a qui sont un petit peu plus rapides à comprendre que d'autres. Donc après, voilà, il y a l'acceptation de la sangle qui va d'abord quand même se faire dans le box avec juste un tout petit point d'appui de la sangle juste pour qu'ils le sentent. Ils vont marcher quelques tours dans le box. Après, on enlève tout, on emmène le cheval dans le manège et on répète la même étape. Et après, quand on les envoie sur le cercle, ben forcément, on espère et on le souhaite qu'ils bougent au matériel. Parce que c'est hyper important que le cheval doit s'exprimer au matériel. Parce que s'il ne peut pas le faire, ben il aura toujours cette envie, un jour ou l'autre, de se dire « est-ce que je peux m'en débarrasser ?» Voilà. Donc une fois que le cheval s'est bien exprimé avec son matériel, qu'il a compris que le matériel le suit et qu'il ne s'en va pas, après, on ramène au box. Et on recommence le lendemain, la même procédure, on selle, on décelle et on selle dans le manège, on rentre dans le box et après on commence le montoir. Après, bah, le boulot il va se faire fur et à mesure avec le leader, d'abord dans le manège pour quand même être dans un endroit fermé et en sécurité. Et une fois que cette étape-là se passe bien, que le cavalier sent qu'il a la bouche, que ça répond, que ça ralentit quand on demande et que quand on met la jambe, ça avance. Après, ils font la même étape dans la grande carrière. Pour l'instant, on a toujours eu des chevaux qui ont été à la piste pour la première fois, droit comme des i. L'hygiène est vraiment très très important parce qu'on sait que les écuries de débourrage et de pré-entraînement, c'est des chevaux qui viennent de partout. Ça bouge beaucoup, il y a un énorme turnover. Donc on n'est jamais à l'abri d'un cheval qui nous emmène une petite crasse ou une petite chose. Donc tous les chevaux, ils ont leur torchon, leur passage de sangle, leur bandage qui gardent pendant la semaine, s'ils restent plus ou moins en état propre. Et sinon, ils sont lavés toutes les semaines, désinfectés à l'eau de Javel. Et pareil pour tout ce qui est harnachement, tout passe dans le grésil entre chaque lot. Tout ce qui est soin, je suis très très pointilleuse là-dessus, parce qu'un petit bobo pas soigné peut devenir un gros problème. Donc on essaye vraiment d'être super vigilant, de tout voir. Et j'ai une équipe derrière moi qui est vraiment au top, parce qu'ils savent que je suis très à cheval là-dessus. Donc eux vont toujours me donner les renseignements, ils vont jamais laisser quelque chose au hasard.